Mamie, on prend pas un gâteau pour l'anniversaire de papy? Bon, d'accord. Ok, alors ça fait 146. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous rendre le gâteau? Oh non, mamie, s'il te plaît, rends-moi ce gâteau. La prochaine fois, chérie, quand on pourra l'acheter? Mais tu m'as déjà dit la dernière fois. C'est possible d'avoir ce gâteau? Oui, pas de problème. Tiens, salut, c'est pour toi. Nous ne pouvons pas accepter. Je vous en prie, s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison que vous nous offriez ce gâteau. Eh bien, quand j'avais 8 ans, ma maman voulait m'acheter un gâteau. Mais nous n'avons pas assez d'argent. Maman, je veux ce gâteau pour mon anniversaire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolée, mon fils, là, je peux pas, mais une autre fois. Et là, il y a cet homme que je n'avais jamais vu auparavant. Tiens, prends le gâteau. Joyeux anniversaire. Je ne connaissais pas son nom. Je n'ai jamais pu lui dire merci. Je ne l'ai jamais oublié. L'homme du magasin. Merci. Non, merci à vous. Puis-je avoir vos coordonnées qu'on puisse vous régler quand on aura de l'argent? Promets-moi quelque chose, d'accord? Quand tu pourras aider quelqu'un, tu le feras. Monsieur, puis-je avoir votre nom? L'homme du magasin. Bonjour, papy. Papy, regarde le gâteau que j'ai choisi pour ton anniversaire. Oh, merci. C'est mon gâteau préféré. Jamais dû dépenser autant d'argent. Mais c'est un jeune homme qui nous l'a gentiment offert. Tiens, il m'a donné ce papier. Monsieur, vous pouvez créer ici votre adresse, je vous amènerai l'argent. Un simple acte d'amour gratuit. Créer une vague qui te reviendra un jour. Merci. Tout acte d'amour gratuit te reviendra un jour. Tout celui qui a pitié des autres, on a pitié de lui dans les cieux. Comme l'ombre suit les moindres mouvements du corps, Dieu rétribue l'homme dans l'exacte mesure de ses agissements. Il y a en chaque être quelque chose de précieux qui ne se trouve en nul autre. Parlons-en sur torahbox.com/c32.